Allez, salut tout le monde, c'est Tazo Récupération. On se retrouve aujourd'hui pour l'épisode numéro 23 de notre aventure 100% sur Hyrule Warriors, l'ère du fléau. J'espère que vous allez bien. Pour ma part, les amis, je vais très bien. Souvenez-vous de l'épisode précédent, on avait. Qu'est-ce qu'on avait vu ici? On avait terminé le chapitre d'Aruk, le héros Gouron, le Gouron héros. Je sais plus, je crois que c'est le héros Gouron. Non, le Gouron héros, c'est plutôt français. Donc, on l'avait terminé. Et du coup, on avait débloqué tout simplement Daruk. On avait contrôlé la créature divine Varudunia. Varudarudania. Je sais plus comment elle s'appelle exactement. Mais on l'avait débloqué. Voilà, on l'avait débloqué. Et donc, du coup, aujourd'hui, nous allons continuer tout simplement ce let's play. On va scanner tout simplement d'abord nos amiibos, comme on fait un petit peu d'habitude. Hein, c'est un petit, la petite habitude. Vous avez reçu une récompense à Mimbo, 5 sauterelles enduro, 5 truites silencio, 5 dorades armo. Merci, on continue hein, avec. Qu'est-ce qui s'est passé avec ce personnage? C'est bon. Vous avez reçu une récompense à Mimbo, 5 truites max. En fait, sa muse sans armure, elle est tellement fine que j'avais l'impression qu'il manquait une jambe, mais non, pas du tout. Vous avez reçu une récompense à Mimbo, 5 grosses truites max. En fait, je l'ai pris de derrière le personnage. Attention, hein, pas de truc. Pas de trucs bizarres. Vous avez reçu une récompense amiibo, 5 Libilou Glagla, 5 Herbe Glagla et 5 Papillon Glagla. C'est parfait, il m'en fallait un petit peu de partout. Et enfin, le dernier amiibo. Vous avez reçu une récompense amiibo, 5 Ongle Inox, 5 œil de Chauve-Souris, 5 Viscère d'Inox. Viscère d'Inox, 5. Waouh, d'accord. Putain, j'ai eu de la chance, je crois, parce que c'est très rare. Et donc, du coup, on va pouvoir rentrer. Et nous avons, du coup, débloqué aussi plein de petites missions secondaires. En tout cas, les missions Progress Map. Donc, sachez qu'aujourd'hui, nous n'allons pas nous attaquer à une mission de combat. Et nous n'allons pas aussi nous attaquer à du scénario. Aujourd'hui, c'est tout simplement l'épisode Progress Map. Dans lequel on va, comme son nom l'indique, progresser sur la carte. Parce que nous avons débloqué tellement de missions. Enfin, beaucoup de missions. Donc, c'est parti. On va un petit peu voir tout ça ensemble. Donc on peut voir que dans le centre d'Hyrule il y en a pas mal. Donc j'aimerais tout simplement voir un petit peu dans les missions d'Hyrule. Voilà, mission, bon, utilisant le détecteur on s'en fout un petit peu. Mais par exemple nous avons un truc à faire avec Link qu'on peut faire, donc c'est ce qu'on va faire maintenant. Premier pas d'un futur épéiste. Un jeune du village d'Elimith a besoin du matériau pour fabriquer un monstre factice. Ouais, plutôt. Il veut s'entraîner à manier l'épée à deux mains afin de protéger le village. Apportez-lui les matériaux. Alors, celui-ci requiert une queue de les alphas sur 40, une gelée chouchou sur 19, une œil de chauve-souris sur 8, une viscère de bocobline sur 50 et une croc de mobline sur 82. On va livrer évidemment les matériaux requis, nous avons tout. Donc, et ça va même du coup augmenter un petit peu Necluda. Le jeune villageois a pu fabriquer un superbe monstre, vous l'avez ensuite aidé à s'entraîner et vous êtes par conséquent amélioré. À l'épée à deux mains. Donc nouveau combo pour l'épée à deux mains les amis. Et voilà, du coup, ça nous offre un tout nouveau combo, les amis, pour Link, pour les épées à deux mains. Donc, c'est super, c'est serviable. Et du coup, ça nous fait un petit peu avancer Necluda. Hein, c'était Necluda, voilà, Necluda. Donc, voilà, hein, ça, la réputation progresse bien. Et on va continuer un petit peu sur cette lancée. Alors, Link, il n'y a plus rien. Impa, il n'y a rien. Zelda, nous avons un truc à faire. Ah, nous n'avons pas les matériaux requis. Donc, est-ce qu'on peut acheter les fameux melons? On va un petit peu voir si on peut acheter les fameux melons. Avec Zelda, est-ce qu'on peut faire quelque chose? Non, c'est avec Zelda qu'on peut faire quelque chose. Avec Mipha, on peut rien faire. Avec Daruk, il y a deux missions des progress map qu'on peut faire. Pareil pour affronter la chaleur. Daruk a accepté de jouer le rôle d'instructeur pour un entraînement dans la montagne de la mort. Préparez-vous en récoltant des matériaux permettant de résister à la chaleur. Donc, du coup, ben, cela requiert 5 papillons Inifus sur 13, 5 lézards Inifus sur 11 et un certificat de Litorok sur 2. On va livrer les matériaux requis et en même temps ça permettra d'augmenter un petit peu la réputation d'ici parce que la barre est vraiment vide. Donc ça serait bien de l'augmenter un petit peu. Grâce aux matériaux anti-feu, vous avez pu achever l'entraînement spécial de Daruk chez les Gourons. Sans souffrir de la chaleur et de la lave, Daruk a même découvert une nouvelle technique. Nouveau combo pour Daruk. Et voilà, nouveau petit combo. Très sympathique. Déjà, il était puissant. Alors là, maintenant, il va pouvoir être éclaté tout le monde. Bien. Bon, maintenant, on va un petit peu également faire la deuxième, qui est toujours à Ordine. Sculpture Inifuge. Un sculpteur en visitant au village Gouron voudrait offrir à ses hôtes une sculpture en bois. Il aurait besoin d'un produit Inifuge pour que la chaleur d'Ordine ne consume pas son travail. Donc, cela requiert
3 lézards imifus sur 6 et 10 certificats de Tilorok. C'est Tilorok. Non, c'est Tilorok. C'est un elfe. Oui, c'est un elfe. Donc c'est Tilorok sur 27. On va livrer les matériaux. Donc c'est les petits Lidorok, vous voyez, les tout petits Lidorok qui servent à rien. Et du coup, ça nous permet de gagner un cœur max. Donc le sculpture unique. Le sculpture unique en son genre a été enduite de produits inifuges sur toute sa surface, semblant défier les flammes de la montagne de la mort. Elle a déjà réussi à conquérir le cœur des Gorons et du coup Daruk gagne un réceptacle de cœur, cœur max plus 1. Et ben voilà, c'est magnifique, c'est beau, c'est joli, c'est super. C'est super, on continue, hein. On améliore un petit peu tout ça. Accès aux installations, donc on a de nouvelles installations, on dirait bien. Donc on peut faire par exemple, il y en a tellement, alors du coup on va les faire dans l'ordre, sachant que là, ok, nous avons tout fait. On va voir ce que nous pouvons faire, par exemple ici on peut faire, il manque une enseigne. Un jeune Gouron a enfin lancé la boutique de ses rêves. Moi, il n'aime pas l'enseigne... Quoi ? Mais il n'aime pas l'enseigne qui l'homme. Moi, j'aimerais qu'elle soit décorée avec des pierres. Qu'est-ce qui lui irait ? Ah d'accord. Donc ça leur requiert une pierre céleste sur 5 et 5 certificats de Tilorok sur 17. On va livrer les matériaux requis. Comme ça on améliore un petit peu Ordine en même temps. Décoré d'une pierre rare, l'enseigne convient parfaitement au Gouron. Et l'entrepôt Gouron peut enfin ouvrir ses portes. Allez donc y faire un petit tour à l'occasion. Ouverture de l'entrepôt Gouron. Vous avez désormais accès à l'entrepôt Gouron. Donc, oui, ça vend même des choses qui nous intéressent, les amis. Je crois bien pour un truc, donc c'est parfait. Est-ce que, quand même, là-dessus, ça vend aussi un truc qui nous intéresse? On dirait pas. Mais par contre, je crois qu'il nous faut des piments pour une future mission. Donc, c'est très sympathique parce que, bon, ici, nous avons plus rien. Ici, nous avons plus rien. Mais ici, par exemple, non, ici, c'est des poissons. Du coup, est-ce que, en termes de poissons. On peut acheter ici des poissons? Ah non, même pas, on peut même pas acheter des poissons ici. Oh, c'est de la merde, on peut pas acheter des poissons. Attendez. Accès... On va aller voir les installations. On peut pas acheter des poissons? Je crois que c'est du saumon en plus, donc c'est même pas ça, d'accord, c'est même pas ça. Donc, bah écoutez, on va aller voir un petit peu les autres missions. Accès aux installations, toujours, donc ici... Ah, c'est ça aussi qui nous en manque, donc on va faire... Voilà, ce truc, enfin cette installation-là, pas la peine de se querrer. De se quereller. Parfois, c'est... Bah, allez comprendre. Toujours au centre d'Hyrule et ça va nous gagner une réputation. Encore une fois, une coopérative agricole se dispute au sujet de la qualité de l'eau dans la ferme. Pour couper court au débat, demandez à la tribu des Gourons d'y installer un canal d'irrigation. Donc, cela requiert un rubis brut sur 6, 200 certificats de Bokoblin sur 3100. 91 et 1000 rubis sur 5489. On va livrer les matériaux requis, pardon. Bien joué. Les membres de la coopérative ont été ébahis par le système d'irrigation de la ferme. Leur querelle apaisée, ils établissent un magasin de produits fermiers et vous y invitent à y passer. Ouverture d'un range coopératif des mouettes. Vous avez désormais accès au range coopératif des mouettes. Et du coup, ça nous débloque même des trucs qui peut être intéressant à acheter comme des rayons de miel enduro, je crois que c'est ça. Ouais, rayons de miel enduro. Et nous avons également besoin des fois de... Pas de... Non, c'est pas de... C'est, voilà, c'est d'un œuf de volatile que nous en avons pas. Donc on va un petit peu voir les missions. Donc vraiment, aujourd'hui, c'est vraiment l'objectif progress map dans lequel on va vraiment progresser de ouf. Et donc du coup, bah, les amis, on continue tout simplement. Toujours. Alors par contre, vraiment... par contre on n'a toujours pas les trucs nécessaires hein. Ici c'est juste dingue. Et on va continuer tout simplement ces fameux accès aux installations. Bah là, par exemple ici il nous faut 10 lézards inifuges, c'est ça. Voilà. Donc logiquement c'est un truc qui peut s'acheter là. Là voilà. Acheter. Est-ce qu'on peut en acheter 10? Alors, on peut en acheter 10, donc on va acheter tout. Oui, comme ça au moins on les a. Et du coup, comme ça, au moins, on va pouvoir continuer, tout simplement, ces fameuses installations, tranquilles. C'est pas ici, donc... par contre, là, ça serait bien qu'on arrive à trouver des insectes. Faudrait que je voie s'il n'y a pas une installation qui propose des insectes aussi. Donc, nous allons avancer Ordine. Donc, pour voyager en toute sécurité. Un gérant du relais qui accueille de nombreux voyageurs traversant la région d'Ordine vous demande de lui apporter des matériaux qui les aideraient à braver la chaleur. Alors du coup cela requiert 10 lézards de inifuse sur 13, 100
C'est bon, ça enregistre bien. 100 certificats de Les Alphas sur 1168 et 10 certificats de Moblin sur 36. On va évidemment du coup livrer les matériaux requis. Et en même temps, ça augmente un petit peu la barre de réputation. Grâce à vous, les voyageurs peuvent traverser la région d'Ordine sans se soucier de la chaleur. Et la rumeur au sujet du gentil gérant se répand en tirant de nouveaux clients au relais. Récompense, visite du marchand ambulant au relais. Ça, c'est parfait. Vous avez désormais accès au relais du pied de la montagne. Donc, au moins, ça, c'est fait. Donc, voilà, entrepôt Gouron. C'est quoi C'est quoi? J'arrive même pas à le voir, en fait. Champ de manœuvre. J'arrive même pas à le voir. Voilà, c'est normal parce que c'est aussi un marchand. Donc, c'est ici, relais de pied de la montagne. Ok, d'accord. Bon, on le sait. On continue tout simplement les fameuses missions d'Hyrule. Hein, de toute façon, nous n'avons pas fini. Et par contre, du coup, je vais un petit peu voir au niveau des installations. Est-ce qu'il y a une installation qui vend des insectes? Ça serait sympathique parce que là, honnêtement, on se retrouve dans une merde là pour le moment. Des insectes. Il n'y a aucune installation qui vend des insectes. T'es sérieux? Bon, bah, ok. Il n'y en a aucune. Pour le moment, il n'y en a aucune. Alors, du coup, on continue. Les installations, est-ce qu'il y a quelque chose à faire en plus? Oui, regardez. Regardez, on peut faire le fournisseur de la teinturerie. La teinturerie. Ok. Le fournisseur de la teinturerie. Ça va améliorer un petit peu Necluda. En tout cas, la réputation. Le teinturier a un problème. Il n'arrive pas à rejoindre. Enfin, à joindre plutôt son fournisseur. Vous avez trouvé quelqu'un qui pourrait les mettre en contact, mais il réclame une pierre précieuse en échange. Donc, cela vous requiert un rubis brut sur 5. Nous l'avons, on va livrer les matériaux requis. C'est un truc gentiment donné. Alors que vous lui tendez la pierre précieuse, l'informateur vous annonce qu'il est le fournisseur de la teinturerie. Vous ignorez ses motivations, mais au moins le problème est résolu. Accès au levant. Ok, bon bah du coup c'est parfait. Vous avez désormais accès au levant. Teinturerie. Vous pouvez teindre vos tenues dans la couleur de votre choix. Il faut pour cela payer des rubis. Ok. Donc on peut un petit peu voir teindre. Ah d'accord. Par exemple si on peut le mettre en... Oh, on peut le mettre en différentes couleurs, regardez. Ah c'est le... Oh c'est joli. C'est joli, honnêtement c'est un truc bien. Bon par contre ça coûte cher, mais bon honnêtement il est bien en jaune déjà. On le fera peut-être que pour le kiff, liste des prix. On le fera pour le kiff. Ah par contre on peut voir que le bleu, ça coûte plus cher, par exemple, sur un vêtement, donc c'est un torse, mais ça coûte beaucoup moins cher sur une cape, en fait. C'est juste énorme. Couleur originale, ok. Donc, pour revenir aux couleurs originales, c'est le même prix partout. Le rouge, c'est plus cher sur le torse encore, mais moins cher sur le chapeau. Le jaune, c'est plus cher, toujours sur le torse, mais moins cher sur le chapeau. Et le blanc, c'est plus cher sur le torse et moins cher... Bah, en fait, c'est un peu pareil de partout. Ouais, c'est pareil de partout, en fait. Ok, bon, bah, au moins, on aura appris ça. Hein, on aura appris ça. On continue un petit peu l'émission d'Hyrule. Hein. De toute façon, nous avons encore quelques petits trucs à faire, j'imagine. Parce que nous avons vraiment tout fait. D'accord, nous avons vraiment tout fait. Il ne manque plus que deux. Que nous avons encore toujours pas. Hein. C'est toujours ces fameux truites et insectes. Ah, ça, c'est dommage. Hein. Ça pourrait vraiment améliorer de ouf... Le truc, mais bon, écoutez, pour le moment, nous l'avons pas. Alors, du coup, nous avons deux nouveaux plats qui s'est débloqué. Alors, par contre, ici, il nous faut une viande. Ici, il nous faut des fruits lames et des trucs armo. Donc, je vais aller un petit peu aller voir aux installations. Alors, il faut que je mémorise ce qu'il veut, des trucs lames, des piments. Nous avons, ok, ça, il y en a, ça me sautera aux yeux, il y en a... Ah! J'en ai plus! Aïe! Bon, bah écoutez, toujours, on va aller un petit peu descendre, du coup. Et ici, il nous manque juste une petite viande. Ah, on l'a toujours pas, hein, la petite viande. Donc, pour le moment, c'est un petit peu mort aussi pour ça. Bon, bah on va aller voir un petit peu le détecteur. Ah, bah on peut plus rien faire. On peut plus rien faire, donc du coup, on va devoir... les amis... c'est dommage. Vous êtes sérieux? On peut vraiment plus rien faire? Attendez. Il y a bien un endroit où on va pouvoir acheter des trucs. Un truc assez sympathique, non? Yeah. Tu vends vraiment que ça, toi? Non, les piments, j'en ai assez. Non, mais c'est pas des piments que je veux. Oui, donc du coup, je me retrouve dans une merde, en fait. Je me retrouve vraiment dans une merde. Tu vois, tu vends vraiment que ça, toi? Tu vends vraiment que ça? Tu vends même pas de saumon? Non, même pas. C'est une honte. Genre, tu vends des trucs, mais pas des saumons, quoi. Enfin, même pas du saumon.
Mais bon, des saumons parce qu'il y en a plusieurs. Mais non, mais ils vont enlever ça en fait. C'est un truc de dingue, ça me fume. Bon, bah écoutez, on a vraiment pas le choix. On va déjà un petit peu aller comme on fait d'habitude dans le guild des forgerons d'Hyrule. On est vraiment bientôt à la fin, en tout cas, de ce centre d'Hyrule au niveau de la première barre de réputation. Donc voilà, on va aller fusionner des armes, sachant que nous avons plein d'armes. Oula, fusionner, oh putain de merde, oui, effectivement. Par contre, là, on a pour le moment un truc à une seule main. Donc ce serait bien d'avoir une arme à deux mains. Genre par exemple ça c'est une arme à une main. Oui, non, à deux mains pardon. Ça c'est une arme à deux mains. Et ça c'est une arme à une main par contre. Donc ça serait bien d'avoir quand même une arme à une main. Mais le problème d'une arme à une main, le souci c'est que pour en faire évoluer une, c'est ça le problème, c'est pour en faire évoluer une, il faut impérativement avoir une hache, mais une méga hache. Donc en fait pour le moment ça ne sert à rien. Nous avons des trucs qui ne servent à rien. Toujours vaut mieux garder l'épée, qui honnêtement est beaucoup plus serviable. En plus niveau 14 par contre. 18. Attendez. Est-ce que tu peux juste filtrer s'il te plaît? On va changer. Non. C'est. Est-ce que tu peux juste filtrer? Il n'y a pas moyen de. Non. Non, c'est pas du tout ce que je voulais faire. Je veux juste me organiser. Voilà, merci. Par contre, voilà, dans l'ordre de ça, comme ça au moins. Ça vaut cher, hein, ça vaut très cher, hein. 300, mais bon, on n'a pas le choix, hein, c'est ça ou rien, donc 300, fusionner, oui, voilà, autant l'améliorer un petit peu. On va aller voir, tenez, déjà, vous savez quoi, on va faire un petit truc intelligent. On va pas pouvoir avoir masse d'armes, donc autant, vous savez quoi, en vendre quelques-uns tout à l'heure au niveau de Link, donc... Voilà, Impa par contre, elle, d'accord, c'est toujours la même chose. Hein. On peut le faire, hein, mais bon, écoute, on va le faire parce que ça fait chier qu'elle soit au milieu, ce truc. Voilà, c'est juste parce que ça fait chier. On va aller voir au niveau de Mipha ce qu'on peut faire. Alors, Mipha. Oh, ça vaut cher! Wow, ça vaut cher 600 rubis! Non. Vous êtes niqué, non, 600 rubis. Je fais pas pour le moment, je vous le dis. Mipha, ça sera pour une prochaine fois. Et Daruk, par contre, je suis bien. Ah, wow, ça vaut cher, mais t'abuses. Parce que le plus haut, c'est 22 là que nous avons. Ouais. Le plus haut, c'est 22, quoi. Oh, ça vaut cher. On est bientôt à 1000 rubis, quoi. Non. Est-ce qu'on peut annuler tout simplement un, sans que ça nous casse le truc. Genre, désélectionne ça. Voilà, au moins. Ouais, on peut même désélectionner deux. Comme ça, au moins, c'est fait. Parce que ça coûte trop cher au bout d'un moment. Ça coûte trop cher. On peut pas se permettre de faire ça. On peut pas. C'est vraiment suicidaire. Les rubis, c'est précieux. Hein. Les rubis, c'est précieux. On peut par contre vendre. Hein. Genre, par exemple, oh voilà. Ça nous rapporte vraiment bien au prix de la vente, quoi. Mais le truc, c'est que Daruk, il a à peine une arme niveau 3. Donc ça serait bien de l'améliorer niveau 5. Donc vaut mieux, elle, vendre. Vendre ce que nous avons là, les petites merdes là à vendre. Voilà, comme ça au moins on gagne des rubis. Parce qu'on n'a pas le choix. Et Link niveau 14, mais le problème c'est que là c'est que des petites merdes, donc autant qu'ils vendent tout. Voilà, tant qu'ils vendent tout, hein. Peut-être pas ça, parce que ça peut-être en fusionné ça pourrait être très intéressant en fait. Attendez, dégâts infligés plus 2 si cœur tout rempli, d'accord. Donc oui, c'est limite mieux. Voilà. Et logiquement, Daruk. Non, Daruk, j'ai dit que je regarderai un petit peu. Et voilà, comme ça me fait un petit peu de rubis. Par contre, honnêtement, je suis aussi intrigué par un truc. Donc j'aimerais également aller voir vendre. Qu'est-ce que j'ai à vendre? Ici, ouais, j'ai rien à vendre en fait. Le problème, c'est que tu peux pas vendre tout ça parce que tu sais qu'au bout d'un moment, ça va te servir. C'est con, mais tu sais qu'au bout d'un moment, ça va te servir. Alors, tiens, vous allez me dire, mais t'auras jamais besoin de 119 fagots de bois. Je ne sais pas, je ne connais pas la suite du jeu. Si je connaissais, j'aurais pu vendre, mais là, je connais pas, honnêtement. Je connais pas. En plus, regardez à l'unité, 10 rubis. Bon, ça va, c'est 10 rubis, mais regardez, 3 rubis, 2 rubis, mais tu veux faire quoi? Bon, ça va, 10 rubis. Oh putain, par contre, 10 rubis, ça fait 800 rubis après d'un coup. C'est pas mal. 800, ça c'est 750. Ouais, mais après tout le reste, j'ai pas beaucoup. Et le truc, c'est que je veux garder moi. Les insectes aussi, il faut que je garde, c'est obligé.
45, 5, 180, mais non, mais non, mais ça on vend pas, hein. De toute façon, ça on va en avoir besoin aussi. C'est logique, on va en avoir besoin. Ça peut-être on peut commencer à vendre, mais j'ai peur d'un truc à 40, voire à un truc à 100 et que j'en ai jamais assez. Au bout d'un moment, je sens que je vais me faire avoir, donc c'est pour ça que j'ai même pas envie de vendre ça. C'est normal que j'ai vraiment pas envie de vendre ça, quoi. Parce que même si je, par exemple, je vends tout là. Ça fait 1000 rubis quoi, ouais, non mais non, mais non, je peux pas me permettre de faire ça, c'est clairement impossible. Ça c'est trop rare en plus, mais en plus pour j'ai réussi à avoir un truc rare donc laisse tomber. 5 non, ça non, et ça non, non ça non plus, hein. ça clairement non, parce qu'on sait qu'on va en avoir besoin dans le futur, c'est logique, on aura tout besoin, c'est logique. Donc en fait dans le stade actuel on peut pas vendre. Bon bah écoutez les amis, on va devoir s'arrêter là, hein. De toute façon je crois que j'ai pas réellement le choix vu que... A mon avis, là, on peut plus rien faire, sachant qu'il nous reste en mission, en mission. Alors, un truc avec Zelda. Alors, on n'a toujours pas trouvé de saumon et ni de watermelon. Donc, j'arrive pas à avoir le nom en français. Je suis désolé. Donc, pour moi, je vais les appeler watermelon parce que je me comprends. Je sais ce que ça veut dire. Donc, voilà. Après, avec les installations, il nous manque deux installations à faire. Donc il nous manque après deux plats. Donc vraiment il commence à nous manquer beaucoup de choses. Mais en fait c'est toujours le problème dans le sens où t'as pas assez de fleurs lames. Mais le problème c'est que les trucs lames, tu les trouves où? Non mais vraiment tu les trouves où? On a rencontré des trucs lames? Non mais vraiment je dis ça mais... Non il y a pas, il y a même pas ce qu'on recherche ici en plus. C'est quoi, c'est des trucs... Non mais ça c'est des poissons normales, c'est pas du saumon. Donc ça... Il n'y en a pas? Même pas. Et en termes de mission de combat, non, ça on s'en fout, mais par exemple ça. Non. Non, c'est pas du saumon ça. Matériau exclusif à cette bataille. Oui, mais c'est bien gentil, mais. Ici, il y en a même pas. C'est donc. Il y en a pas non plus. Là, il y en a même pas non plus. Là, il y en a deux, mais c'est inutile, ça sert à rien. Et dites-vous quand on va devoir attaquer les épisodes farm, ça va être dans le futur, on va avoir moins rigolé, hein, parce que ça va être dur. Mon dieu, ça va être peut-être encore plus dur qu'Hero Warriors Safety TV Edition, je suis en train de me rendre compte. Mais bon, écoutez les amis, on va devoir s'arrêter là, de toute façon nous n'avons pas réellement le choix, vu que nous n'avons plus rien à faire maintenant. Donc on se retrouve pour la prochaine fois dans laquelle nous commencerons une des deux missions de combat pour le moment de d'Arouk, tout simplement. Donc on attaquera tout simplement, pourquoi pas, niveau conseiller 10, là niveau conseiller 5. Donc pourquoi pas attaquer saisir et relâche, saisir et relâcher. Dans lequel il y a, niveau conseiller 10, on va tenter d'utiliser Link le plus haut, de toute façon c'est le plus haut. Ah, attendez, je dis ça, mais en équipe, est-ce qu'on peut utiliser autre chose? Parce que là, j'aimerais bien vraiment augmenter les autres Zelda, on l'utilise jamais, mais j'aimerais bien aussi la jouer de temps en temps. Non, mais vaut mieux quand même augmenter Daruk un petit peu. Daruk, Zelda, elle a une arme assez costaud. Daruk, il en a vraiment pas assez. Il faut l'améliorer, Daruk. Donc, on utilisera Daruk, vous savez quoi. Je vais même le préparer, Daruk, ici. Comme ça, au moins, on a Daruk pour ici. Ah oui, mais du coup, oui. Bon, bah du coup, c'est ce qu'on fera ici. Voilà, donc on fera tout simplement saisir et relâcher dans le sens dans lequel où il y a un ennemi principal des les Alphos et des Moblins. Et en récompense initiale, nous avons du coup des trucs, des libellules, des champignons et une pierre céleste. Donc c'est ce qu'on récupérera la prochaine fois. Je vous en remercie de m'avoir suivi pour cet épisode et on se retrouve du coup pour l'épisode numéro 23, est-ce que je dis pas des conneries? Est-ce que je crois que ça me dirait une énorme connerie? 24, pardon, je crois que c'est ça, 24. De notre aventure 100% sur Hyrule Warriors, l'ère du fléau des Sigla. Portez-vous bien, ciao tout le monde, hey, peace! Et du coup, moi je vais m'arrêter sur